charbon et terminé encore un char de grand toxon. Il faisait 300 livres, mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs m'avaient nommé Gros Jambon. Y'a personne qui savait de quel coin il venait. Mais nous, on se doutait bien que c'était un Québécois. Parce qu'il sacrait tout le temps, mangeait bien des crotons. Il avait tout le poil frisé comme un mouton, le gros jambon. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Le petit pas qu'un matin, dans la 8e galerie, les madriers s'écrasent, puis l'explosion retentit. 23 mineurs sont là, prisonniers comme des rats. Et parmi ces 23, il y avait comme de raison, gros jambon. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Au milieu de la poussière, de la fumée et de la steam, on a vu un géant se réparer d'un gros bim. Le lever d'une seule main, il l'a coté sous le plafond, afin de laisser sortir les 23 moribonds. Gros jambon. Gros jambon. Pendant que le géant tenait le plafond de la mine en l'air, les 23 ont rampé jusqu'à vers la lumière, oubliant que dans le fond, au milieu de la steam, il y en avait encore un qui tenait toujours son rime, le gros jambon. Gros jambon, gros jambon. Et quand les sauveteurs ont voulu redescendre, il y a eu un grand cri qui se fit entendre. Et tout le monde a compris qu'au milieu de la steam, le gars au fond de la mine avait lâché son bim, gros jambon. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Et depuis ce matin-là, devant la mine de charbon, on peut voir sur un mur écrit au crayon une petite phrase bien courte, mais qui en dit bien long. Dans le fin fond de la mine repose un grand, grand toxon. Le gros jambon. Gros jambon.